chers amis, aujourd'hui, David Labashi va vous présenter un autre livre. J'ai fait environ 127 livres, plupart sont en persan, mais il y en a quelques-uns aussi en français. Alors, femme et guerre en islam politique. Femme et guerre en islam politique fait face au sénateur Henri Kayavé, mon maître. Sénateur Henri Kayavé, que je l'aime beaucoup, et j'espère qu'il va vivre encore longtemps, et que je vivrai avec Kayavé, avec Anouï. En tout cas, il m'a fait une préface, c'est gentil, parce que c'est lui-même qui m'a demandé de faire un livre sur les femmes musulmanes. Alors ici, je parle des femmes musulmanes, de l'histoire de l'islam, de l'histoire des chiites, quand on ne le connaît pas, et surtout les guerres de prophètes de l'islam. Les guerres de prophètes de l'islam, c'était 63 guerres. Tous les 63 guerres, 60 par les 63 guerres, c'était des agressions. Seulement 3, c'était défensif. 60, c'était agressif. Celui qui attaquait les autres tribus, les autres villages, etc. Ici, je vous donne des explications. Et une chose qui est très intéressante à la fin. À la fin, je vous cite les versets de Coran. Le livre, il est en français. Hein? Le livre, il est en français. Mais à la fin du livre, je vous cite les versets que j'ai copiés exactement du Coran. Et ce verset-là, il parle de tout ce que moi j'ai dit dans le bouquin. C'est-à-dire, c'est le verset du Coran même qui parle comment on doit tuer les infidèles, les non-musulmans. Et les contextes, c'est quoi? Parce que quand vous parlez avec un musulman, il vous dit c'est dans le contexte. Certains versets, c'est dans le contexte. Dans le contexte, c'est-à-dire, dès que vous faites la guerre, à la fois en Irak, à Mali, contre ces gens-là, ils deviennent guerriers aussi contre vous. Et comment ça fait la guerre? Mais la guerre, c'est, il y a plusieurs méthodes. Méthode cachée, méthode que vous voyez, les guerres économiques, les guerres sabotage, les guerres racistes, etc. J'en parlerai après. Mais maintenant, pour ne pas me dire en islam politique, vous pouvez la voir si vous voulez, mes chers amis, en allant sur le site davidabassi.com. Merci, à bientôt. Et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com, Abassi, A-B-A-S-I. شربت خانوم، شکر خانوم، عسل خانوم، غزل خانوم، جعبه تو.